Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu différente puisque j'ai eu une idée suite à vos demandes. Ça fait plusieurs fois qu'on me demande des duos, notamment sur Instagram, mais comme c'est une plateforme que j'utilise plus du tout, hein, soyons clairs, j'y vais très très rarement, uniquement pour échanger avec les colocopines avec qui je fais des duos, mais ça s'arrête là, donc du coup... Certains duos sont passés à la trappe puisque j'avais répondu et je n'ai jamais retrouvé les messages et du coup j'ai pas pu vous relancer sur Instagram. Donc du coup je me suis dit que j'allais mettre sur YouTube et ça serait beaucoup plus facile pour tout le monde, notamment pour moi. Hein. C'est plus gérable puisque, comme je vous l'ai dit, j'utilise principalement YouTube aujourd'hui puisque je ne vais plus ailleurs. Voilà, par manque de temps et d'énergie. Donc on reste sur YouTube et donc on en vient à cette vidéo. J'ai envie de vous faire une vidéo colo duo. Voilà, donc je vais vous présenter quelques livres et comme ça, ça vous permettra, si vous voulez faire des duos avec moi, sous cette vidéo, de me dire le livre que vous avez choisi et la page. Et comme ça, on pourra se mettre des duos au fil des mois. Voilà, donc j'ai fait une petite sélection, j'ai pas tout mis. Il y a un livre que j'ai enlevé ou deux et j'ai enlevé également les livres avec lesquels je suis déjà en duo. Donc voilà, donc j'enlève ma petite pile de livres, hop, et c'est parti, j'essaye de faire au mieux pour tout vous montrer. Donc en premier, hop, je vous montre le Princesse. Alors par contre, je ne vais pas vous montrer tous les colos qui ont été faits, il n'y en a pas beaucoup dedans. Donc après, je vous dirai si ils ont été faits ou pas, si vous choisissez ce livre. Voilà, si ça peut vous donner un petit aperçu actuellement où j'en suis. Donc voilà, donc moi le Princesse est un livre que je fais uniquement au crayon couleur. Donc c'est un livre qui me prend un peu plus de temps. Voilà, et je fais uniquement au crayon couleur celui-ci. Ensuite, j'ai choisi le tome 11. Voilà, c'est un tome que j'aime beaucoup et que je ne vais pas souvent dedans parce que c'est un des derniers arrivés. Et vous voyez, j'ai commencé à faire mes contours que je n'ai pas poursuivi encore. Et j'en ai fait deux ou trois, je ne m'en rappelle plus. J'ai fait celui-ci, ma double page de Bambi. Est-ce que j'en ai fait un autre? Oui, j'en ai fait un autre. Bon, celui-là, je vous le montre parce qu'il n'y en a pas beaucoup de faits, mais les autres, je pense que je ne vous montrerai pas. Hop, pour aller un peu plus vite. Voilà. Donc, si celui-ci vous intéresse, voilà. Ensuite, je vais mettre celui-ci, malgré que j'ai beaucoup de mal à y aller, vous savez, à cause de l'écriture. Hein, je vous dis toujours la même chose quand je vais dans celui-ci, mais j'ai envie d'avancer. Voilà, parce que j'adore les Looney Tunes et j'ai tout de même envie d'avancer. Donc, je vous propose quand même le tome 1. Donc, pas les premières pages parce qu'elles sont faites. Mais après, voilà. Après, vous pouvez en poser plusieurs. Il y en a quelques-unes, mais très peu de faits dedans. Donc, le tome 1 et le tome 3. Voilà, un des derniers arrivés et donc j'ai bien envie d'aller dedans et en plus il va être super agréable à faire celui-ci puisque les traits sont visibles et les symboles numéros également. Donc ça c'est trop cool, moi j'aime bien quand on voit bien les tracés et les lettres. Donc voilà, donc je vous propose ces deux Looney Tunes. Ensuite je vous propose le tome 10 que j'aime beaucoup également. C'est pareil que le Looney Tunes, là les traits sont hyper marqués et c'est bien visible et moi j'aime bien. Donc, je vous propose celui-ci. C'est un tome également avec de superbes solutions. Voilà, j'en ai fait quelques-uns, pas beaucoup. Hop, ça peut vous donner une petite idée. Ensuite, je vous propose Le Félin. Alors, ça, c'est un livre que j'aime beaucoup, beaucoup aussi, mais que j'avais mis de côté puisque j'avais fait Fil Rouge l'année dernière. Et donc, comme j'avais choisi Mon sauvage avec Christelle, je me suis dit que j'allais mettre celui-ci de côté, mais là j'avoue que j'ai bien envie de le reprendre. Donc il y en a quelques-uns de faits dedans également, donc si celui-ci vous intéresse, voilà, voilà, hop, je m'attarde pas trop, hein. Voilà ce qui a été fait dans Le Félin. Ensuite, je vous propose celui-ci. Alors, on a un peu de tout dedans. Donc, j'en ai quelques-uns de faits aussi. Donc, on a des paysages, principalement. Voilà. J'avoue que j'aime bien celui-ci, mais j'aime bien
plutôt pour le côté des animaux, les paysages un peu moins, mais parfois quand on a juste envie de gribouiller et rien faire d'autre, c'est pas mal. Donc j'en ai quelques-uns de faits aussi dans celui-ci. Vous voyez, ce genre de coloriage, c'est uniquement pour passer le temps, parce que personnellement, j'aime pas trop. Est-ce que j'en ai d'autres? Non, apparemment non. Voilà. Mais j'ai quand même envie de l'avancer celui-ci aussi. Donc, bah, n'hésitez pas si vous l'avez. En plus, on ne voit pas souvent sur YouTube. Donc, moi, je me lance dans le spécial portrait. Vous savez ce que j'en pense. J'ai fait un seul colo dedans qui m'a déçu puisque ça a traversé. Mais il est très beau aussi celui-ci. Et j'ai bien envie quand même de l'avancer, même si il faut que je trouve le médium qui correspond à ce bouquin. Voilà, donc à principe, ben, c'est que des portraits. Voilà, donc si ça vous dit de l'avancer, si vous aussi, vous avez un livre où ça traverse, mais que voilà, c'est un livre qui dort et que vous ne voulez pas laisser dormir, parce qu'une fois qu'on les a achetés, ben, c'est bien de les utiliser tout de même. Eh ben, faisons ça ensemble. Voilà, avançons les livres compliqués ensemble. Ça nous motivera. Motivera. Voilà. Le Saison, pareil, hein, c'est un livre que j'aime beaucoup, mais qui ne sort pas assez à mon goût. Voilà, donc, si vous l'avez, hop. Bien sûr, on n'est pas obligé de faire des colos de saison. Moi, je ne fonctionne pas du tout comme ça dans les colos. Donc, si un colo vous fait envie, ben, n'hésitez pas. Moi, je ne fais que trop. Love Story, un des derniers également que j'ai acheté et que je n'ai pas encore ouvert. Et j'ai bien envie d'aller dedans. Donc si ça vous dit de m'accompagner pour l'ouverture de ce livre, bah, n'hésitez pas. Voilà, moi j'ai rien fait du tout dedans. Donc ça laisse le champ libre. Donc si vous voulez l'ouvrir avec moi, et bah, let's go. Et pour finir, hop, je vous propose le Fantastique. C'est pareil, hein, c'est un livre que j'aime beaucoup, mais qui est très très long à faire, puisqu'il est bourré de détails, mais il est trop canon. Il est vraiment canonissime, celui-là. Voilà quelques-unes. Est-ce que j'ai le petit... oui. Et voilà les colos que j'ai fait à l'intérieur. Donc voilà, donc si vous avez les livres que je vous ai présentés et que vous avez envie de faire les duos avec moi, bah, n'hésitez pas, hein, on va se retrouver sous cette vidéo, ça sera plus facile pour se caler des duos ensemble. Et ça sera plus facile du coup pour échanger. Donc je vous propose de choisir un des livres que je vous ai proposé. Voilà, et il suffira de me mettre le numéro de la page que vous avez envie de faire, et puis ben, je vous dirai, et après, ben, quand vos colos sont terminés, vous n'aurez plus qu'à me les envoyer par mail, et moi je les partagerai après dans mes colos terminés. Voilà, comme je fais déjà habituellement dans mes colos terminés, j'ajoute vos colos également, donc ben, n'hésitez pas à me rejoindre pour tous ces duos et pour avancer nos livres mystères. Voilà, j'espère que cette vidéo colo duo vous plaît, que l'idée vous intéresse. Et bah, sur ce, bah, je vous laisse, on se retrouve dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.